Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Certains ont déjà deviné où c'est que j'étais et du coup je suis avec Germain, comment ça va? Ouais, salut tout le monde, ça va, ouais. Un clean. Oh là là. Le mec il est malade, il me lève en l'air. Vas-y, barre-toi. Donc du coup, tracteur en variation continue. Vas-y, là c'est bon, tout super. Bonjour, ça va? Ouais, c'est ça, bah là on reprend. C'est quoi ta voix? Je sais pas, gros. Là, donc, t'es aujourd'hui pour le dernier champ de la moisson de 2022. Ouais, j'arrive au dernier moment parce que du coup, moi, je faisais ma saison de moisson, j'ai terminé et je viens vite ici. On est dans le Perche, donc dans le 28 Eure-et-Loire, et donc là, dernier champ tritical. Ouais, ok. Donc, on garde la paille, donc on va tourner ce matin et cet après-midi, coup, on arrête. Est déjà parti avec la machine, je mets quelques petits plans là ce matin, on va aller amener la benne, il faut qu'on nettoie du coup la fosse, c'est ça? Bah, c'est du stockage à plat, donc c'est, là, l'hiver, il y a les vaches et du coup, bah, là, c'est un stockage à plat, du coup, on va balayer propre. Voilà. Il y a le télesco, enfin, il y a 2-3 bouines à faire le temps qu'ils remplissent la trémie, quoi. Ouais, et du coup, il y a le concessionnaire AgriFarm qui va nous prêter un tracteur, un 7S190. Ouais. Donc, on va mettra sur cette benne quand même. Il va faire un peu la gueule, mais on va essayer de les tester pendant. Du coup, je suis là pendant 2 jours chez Germain. Donc, il y a de quoi vous montrer plein de choses sympas. On va essayer de filmer tout ce qu'on va faire sur la farm, quoi. Bah, donc, oui. Les dernières moissons, de la benne, peut-être du déchômage aussi. Déchômage, peut-être un peu de presse. Voilà. On va kiffer, les gars. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, les amis. Et puis, du coup, on est parti. On va commencer avec du balai. Non, en vrai, les gars, je suis trop content d'être là. Il y a un an que j'étais venu pour les semis de Colza. Il y a un an filmé, mais sinon t'es revenu bien. Ouais, je suis déjà revenu plusieurs fois. Ah, et un bourdon. Bah, le bourdon en train de se régénérer en Adéblou. D'ailleurs, c'est un nouveau par rapport à l'ancienne vidéo. Ah bon? Ouais. Ah, mais oui. Il y a le petit écran, avant il n'y avait pas. Enfin, en gros, c'est exactement le même. Ouais. Sauf que bah, il est plus récent, quoi. Voilà. Ouais, j'avoue. Là on a Johnny qui est en train de balayer puisqu'on va apporter les bennes du coup de Critical juste ici. Le balai XXL. Putain. La petite poussière d'orge dès le matin là, pour bien te... Youhou. Mais là il y aura Critical ici. Bah il y aura le Critical, ouais. Oh ça, il y a la place. On a vu des fois arriver jusqu'en bout de la salle. Attends, mais il y a quoi? Il y a 17 hectares. 200 quintaux de rendement. Bah allez. Bon, on pousse le T6. Incline. Oh là là. Ouais, et on fait ça aussi là? T'as posé le balai sur le godet? Mais oui, mon balai il est tombé. Oh, c'est quoi cette erreur de stagiaire là? Oh là là. Ouais, il y a des boudins. Bah, c'est un abreuvoir. Ah, je crois que c'est une masse. Bon ben voilà, ici c'est bon, on change d'endroit. Je suis dans le godet. Oh, mec, fais gaffe, il est malade. Le mec, il est malade, il me lève en l'air. Ah, la bataille. Du coup, on va ramasser ce petit tas là. Bon ben nickel, on a nettoyé un petit peu la zone, il y avait un petit peu de blé partout. Bon, on va aller les rejoindre au champ, je pense. Bah ouais, hein, du coup, on va aller les rejoindre au champ. On va aller voir comment ça se bat. Là, on va voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on y va pour juste voir le champ ou est-ce qu'on prend le cover crop? On va voir. On va appeler. Oui. Appelle le patron. Beau t-shirt. Oh, beau polo. N'hésitez pas à aller voir, c'est la boutique. Les nouveaux polos sont là. Ok. Ok, ok, ça marche. Ok. Oui, du coup, le programme. Le programme de la vidéo. Alors, le programme, là, on va prendre le T7. Ouais. On va aller détourer son champ, faire les roues de traitement. Ok. Vu que par chez nous, je sais pas si chez toi, tu sais, il y a quand même des gros, ouais, des grosses roues. Des gros passages, ouais. Donc là, on va détourer là-bas. Après, on va faire un petit carré de colza. On va déchauffer un petit carré de colza. Ouais. Cet après-midi, on s'arrête de battre vu qu'il fait trop chaud. Ouais, c'est le jour canicule, il fait 42, je crois. Du coup, on ira à Agri-Farm chercher le 7S. Ce soir, on fait un peu de moisson, quoi. Et ben ok. Et demain, bah, on déchauffera le 7S avec le 7S, déchaumeur rapide.
Ouais, pas le bonnel, parce que du coup, elles avaient un nouveau bonnel, il faut le dire ça. On est allé le chercher à Griffarm, et voilà, il faut que je fasse. Enfin, on l'a pas vraiment utilisé, on l'a juste testé. Ouais. Du coup, il y aura une vidéo prochainement qui sortira sur ma chaîne où on fera. Bah, j'avoue que si on met ça sur le 7S, il va rester. Bah, c'est mort, hein. Déjà le T7, tu T7 sens que. 260. Bah, il fait plus ou moins un peu moins de 300 chevaux. Quoi. Ouais, il galère donc, ouais. Donc, on verra ce qu'on fera. On fera un petit déchaumeur rapide, voilà. Bon, je déplace le 6080 du coup pour libérer le T7 qui est sous le hangar. Par contre, je sais pas trop où je vais le placer. Au pire, je vais l'avancer puis je le reculerai après. Normalement, cette benne-là, on l'utilise plus vu que bah, c'est le dernier champ de Critical qui est à côté de la ferme. Et en fait, on ne peut pas benner sous la stabulation avec la campagne, comme bah, j'ai expliqué dans mes vidéos. Donc, on est obligé de prendre la petite lebouche parce que ouais, la stabule est trop basse. Donc là, je vais prendre le T7. Normalement, je crois qu'il y a plus ou moins le plein et la déblo aussi. Ah ouais, il ouvre la porte un tout petit peu pour voir à travers la vitre de devant là. C'est stylé ça. Vas-y. Bon les gars, du coup on est parti, on va déchaumer un petit peu dans le champ. Bon, on va faire les roues de traitement du coup. Donc là on va dans le champ, c'est à côté, après on va dans un autre champ qui est un peu plus loin. Bah là, du coup on fait un petit carré donc dans le champ. Ouais. Et que Sylvain moissonne et après on ira faire un autre champ. Bah on fait les roues de traitement, ouais. Ouais voilà ouais. On va d'arriver dans le champ du coup. Ouais. Il a déjà fait deux tours. Hein. Ouais, deux tours. On va voir la différence de la paille par contre comparée à notre machine. C'est flagrant. Hein. Ouais, mais ouais, c'est rotor. Hein. Machine à rotor, ça te pète la paille. Mais soir, ça va être plus propre déjà la paille parce que là, ça commence à chauffer. Hein. Ouais, ouais, mais bon, nous, la journée, la paille, il y a plus rien. Des fois, gros, tu fais des enduits, il n'y a même plus de paille. Voilà, en fait, tu lèves les roues. Ouais. Et après, tu as la sécurité à enlever. Clac, tac, clac, et ça déplie. Et après, c'est déplié. Ouais. Là, je baisse, je mets en libre. Comme ça, les roues, elles suivent le terrain. Ça évite d'être moins dur à la mécanique. Comme ça, les roues, ah ouais, les roues derrière, elles sont pas levées. Ouais. Parce que si elles sont levées, elles prennent tous les coups, tandis que là, elles suivent le terrain. On a déjà pété les roues, en fait. Et on s'est dit que c'était peut-être à cause de ça. Donc au moins, tu vois, elles suivent le terrain, elles sont en libre. Ouais, d'accord. Et le rouleau derrière, il est levé au max. Donc là, on peut pas creuser. Donc là on va terminer de faire les tours de champ, on reprend la route et après ben, on est parti, on va déchauffer. Ouais c'est ça, il y a quoi 10-15 minutes de route là. Il y a combien de champs avec il fait combien d'hectares le champ? Ouais il doit faire 4 hectares ça va. Ouais ça va. Parce que ça va être rapide là, on est dans les 10,5 à l'heure donc ça le fait. Ouais. Alors, regardez les andins de la bataille. Ouais ils sont pas trop mal hein, là ça. Ils sont pas trop mal hein. Mais là ça a commencé à cogner du coup bah ils vont être de moins en moins bien mais on va s'arrêter vers 13h, on va reprendre 18h je pense par là. Ouais. Vu la chaleur qui fait. C'est le dernier champ, il n'y a pas à se presser, après on fait péter le champagne et voilà. Exactement les gars. Oh Johnny. Ah Johnny. Bah ouais là on va finir, on va replier, le champ il est à l'autre bout là-bas. Ok, bon bah mec, bon on se retrouve du coup quand on est dans le champ. Bon, ben Gab, on arrive dans le champ. Ouais, c'est au bout du chemin là. Bon, allez, ça va être mon tour, les gars. On va tester ce T7, même si je l'avais déjà testé au semi. Du coup, pour baisser, c'est le vert. Ouais.
Donc tu vois, si tu le baisses, là, ça le baisse. Okay. Si tu le montes, ça le monte. Ouais. Et du coup, une fois que tu l'as baissé, tu le mets en libre. En fond, ouais, ça le met en libre, ok. Et après, là, tu as les deux gammes. Hein. Donc moi, c'est moi qui l'ai paramétré, ouais, pour tourner. Et ça, c'est pour bosser. Okay. Baisse, okay. Voilà, baisse-le. Bam, bam, voilà. Et c'est parti, mon kiki. Ouais. Vas-y. Comment il lâche? Mais en fait, je suis pas habitué. Mais oui, c'est vrai, sur le Renault, c'est progressif. Du coup, j'ai lâché comme un teuteux, moi. Et vas-y, mets-le en libre. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que je suis bon pour rendre niveau Bah, après, c'est à toi de gérer ton repère. Moi, c'est avec le garde-boue. Ouais. Vraiment, le capot, comment il est grand. Quand on essaie de pas faire doubler, ça serait bien. Non, mais ça le fait parce que là, il est un peu décalé vu que c'est pentu. Ouais. L'arrière, ouais, il se décale. Ouais. Et puis, les disques à l'avant sont moins longs qu'à l'arrière. Ce qui est logique vu que disques, ils écartent la terre et les disques derrière, ils ramènent la terre. Ramènent, ouais. Donc voilà, t'as encore un peu de marge et le rouleau est encore un peu plus large que les disques arrière. Là, le rouleau il est posé quand même, ouais. Tu le vois, regarde à droite, tu le vois là, les petits sillons. Ouais. Bah, la caméra ça se verra pas, mais. Un petit peu, ouais. Là, je l'ai juste posé gentiment pour pas qu'il appuie trop. Parce que si tu le poses trop, en fait, les disques à l'arrière ils travaillent plus. Ouais, ouais. En vrai, c'est confort les NH, moi j'aime bien. C'est les anciennes générations en plus. Hein. Bah ouais. C'était pas le commande pro qu'on avait là. Non, c'est là, c'est le power command. Ouais, t'as le levier, mais. C'est pas le range command comme dans le 6000, c'est le power command quoi. Et là, et du coup, tu peux rien faire avec celui-là. Bah, tu peux avoir le power shift, mais il l'a pas lui. Ah ouais. C'était une option. Alors. Là, en fait, t'attends de tourner avant de relever. Ouais, okay. Qui casse en fait. Ce que tu vas voir, il suit comme un plateau. Allez, vas-y, là, tourne, tu vois. Et là, dès que tu vois qu'il tourne, ouais, tu lèves. Voilà. Vas-y, là, lève. Voilà. Voilà. Là, tu peux rebaisser direct. Tac. Plus tu les chauds, mieux c'est. Donc... Et là, pas grave. En passant aux autres. La févrole du... On va écraser l'animal mort, non? Ah mais arrête toi, t'es fou. T'as pété en plus, gros porc là. J'ai pas pété. Ah. C'est toi qui as pété là. Arrête. Ah mais gros, t'es j'ai Jésus. Pas, mais j'ai pas pété. C'est l'animal mort. Oh non. Oh la cul, arrêtez. Oh gros, faut ouvrir la porte, la porte. Oh. Wow. Gros, il est où? Imagine qu'il est collé à la roue. Impeccable. Bon, on a bientôt fini le champ du coup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la ferme. On a un peu de route à faire. Ouais. Et voilà, là on fait les fourrières. T'as pas ça comment toi? Tournière, tournaille. Tournière, fourrière, ouais, les chiens, la guenille. Là on a la clé, mais j'ai envie, si on va dehors, il va faire bien bon. Mais quoi? Là on a la clim mais dehors il doit faire bien bon. Je veux voir si tu m'as sucé les roulements. Ouais vas-y, il y a des cailloux partout ici. Ben non mais là, putain la cagna par contre. Il fait chaud dehors. Regarde ça, il y a des cailloux partout. Parce que lui il roule bien, l'autre il roule pas bien là, ça me fait peur. Il a sucé le roulement. Mais non. Et là? Et c'est qu'il y a de la merde, c'est qu'il y a cette... Ah ouais ça a coincé. Ce truc là. C'est bon. Je t'ai rien sucé. Non ça m'a pas... J'ai pas fait... C'était tellement incroyable. J'avoue que j'ai mal. Ah, c'était incroyable. Bon, allez, on est petit part. On va aller voir Sylvain. Ouais, c'est ça. On va aller voir où ils en sont. À la moisson. On prend avec le petit partenaire. Voilà. Si vous vous rappelez bien, c'est pas le même que l'année dernière. Caméra de recul. C'est pas mal, hein. En vrai, la vraie raison, c'est parce qu'il n'y a plus aucun partenaire en vente. Et lui, c'est un Docas et il était full option. Bah, tu sais que t'as le CarPlay et tout dedans. Ouais, comme dans ta voiture. Bon, regardez, il est juste derrière là. On va aller faire un petit tour de batteuse. Ça c'est chiant, c'est qu'on a plus la casquette comme sur l'élection. Dans la goulotte, c'est pas fait, t'avais une petite casquette qui faisait ça avec un son. Mais nous, ça fait clac, ça va claquer, ouais, qui se ferme. Et ça va assez vite que ça fuit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est que les tuches, il y en a un qui nous batte. Johnny, il laisse sa machine là. Et du coup, on va manger, on se retrouve juste après, ils vont continuer la moisson. Et puis, que c'est ça.
C'est un truc à pharmacie. Ouais, je sais pas, mais on va reprendre ça parce que ça dans le pneu, ça va pas aimer la dans blague. Dans le pneu, il mangeait. Bon, les amis, on est fin d'après-midi, donc du coup, on a dû s'arrêter parce qu'il faisait très très chaud. Là, il fait encore 39, 40 degrés. Enfin, c'est hallucinant la température qu'il fait. Donc là, du coup, avec Johnny et Germain, on s'en va du coup chercher le tracteur. On va accrocher la petite remorque parce que, si vous vous rappelez bien, il faut qu'on récupère du coup la roue du Renault. Donc voilà, on va accrocher la petite remorque et puis on est parti du coup direction le pensionnaire. Bon, bah du coup, les amis, on vient d'arriver chez AgriFarm. Ouais. On a parlé un petit peu, enfin, on a parlé un petit peu, ça fait 5-10 minutes avec eux. Donc le tracteur est juste derrière. C'est le 7S du coup 190 Dyna VT. Dyna VT. Donc bah, écoutez, on va le prendre. On va faire. Bah du coup, on le ramène à la ferme, c'est ça? Ouais, putain, le Cagna là, c'est incroyable. Il fait chaud, les gars. Oh, le Cagna. Donc, alors coup, qu'il est 19h. Donc du coup, tracteur en variation continue. Donc là, c'est le 7S190 et on peut aller, je crois, au max à 210 chevaux. Donc bon, en vrai, ouais, ça fera l'affaire. Bon, bien sûr, on l'attellera pas sur la benne de la campagne parce que je pense qu'il va faire la gueule. Et du coup, on sait pas encore s'il rentre dans le bâtiment parce que les pneus sont assez gros. Là, c'est du 42, donc ouais, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, il n'y a pas de guidage. On voulait faire du déchômage ce soir, mais du coup, on le fera à la main. Voilà, et comme le champ, il fait un hectare, ta vie. Non, un kilomètre de long. Ouais. Donc on verra ça. Ok, bon, les amis, on y est. Il est chaud le siège, et il fait trop chaud les gars, on va le démarrer directement. Vas-y, bon, vas-y. Du coup c'était 190, on vous l'a dit. Par contre du coup on a deux écrans. Oh putain. Les gars, j'ai plus de force. Bam. Du coup gros merci à Benoît, Eric, Christophe et aussi à Romé du coup qui nous a fourni le tracteur. Allez, bon, on fonce bien, continue, on va voir ce que ça va donner. Oh. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, j'adore. Variation continue, c'est vraiment stylé. On va le conduire un petit peu sur la route, vous allez voir que c'est super fluide. En tous les cas, il nous le prête pendant plusieurs jours, donc ça va être impeccable. On va y mettre les gyrophares, on est bon. Il n'y a pas de masse à l'avant du coup? Non. La variation continue, c'est rétroélectrique ou pas? Je sais pas si. Je sais pas. Je sais pas trop les gars. Allez, go. Déjà, c'est plus accessible. Ça va, Germain? Oui, Benoît, pour te dire, c'est pas nous qui avons fait ça. Hein. Il y avait déjà le pet. Ah ouais, bon, on est sur le tracteur. Il a raclé le poids avant. Ah ouais, là aussi. Du coup, il n'y a pas de graisseur, mais c'est bizarre. En fait, il n'y a plus que 4 graisseurs à l'arrière. Ah, peut-être là, non, même pas. Prends la route et puis hop, pas de temps à perdre. En fait, là, tu graisses plus ton tracteur. C'est splendide. Les marchands de graisse vont faire faillite. C'est bon, on est bon. Bon les amis, on est parti. On a accroché la benne, on a fait les essais pour bloquer les essieux, etc. Ça c'est des trucs que je connais pas du tout chez moi, bloquer les essieux et tout, il n'y a pas du tout chez moi. Stylé. Ah, c'est calme à l'intérieur par contre. Et vous verrez du coup là l'essieu, donc là l'essieu est débloqué. Ouais. Moi j'ai pas l'habitude, enfin que tu me dises, parce que moi je sais pas quand. Bah, tu sais quand tu recules, faut le bloquer. Ouais, là, c'est juste ça. Sinon c'est pas grave en soi si tu le laisses. C'est juste que c'est usurier, si t'as un tournant là, genre à gauche là à 90, c'est usurier. Ça arrive. Ouais, bon, je vole. Faut qu'on fait mon siège à ma hauteur. Voilà. Du coup, il y a Sylvain qui va être plein, donc on va les vider en roulant. Ça va être sympa, on va faire des petits plans plutôt cool. Après, t'as juste à te mettre en 4 et ça y va tout seul. Ça y va tout seul.
Ok, bah nickel. Peut-être un peu rapide, mais... Bon les gars, du coup, on va au fond. Comme ça, il va nous compléter la trémie quand il sera au fond. Parce qu'en roulant, ouais, c'est mort. Je pense que c'est un peu compliqué. Bah c'est surtout qu'en fait tu complètes à bas régime, tu sais, tu te mets en demi ou en lent et il n'y a pas de temps à perdre hein, parce qu'un aller-retour il est plein. Ouais. Donc va falloir accélérer. Bon, on attend que Sylvain revienne avec la batteuse, là il arrive juste ici. On va bénir ça du coup au silo, mais il faut faire vite parce que les gars, sans quinto, bon la fin n'est pas loin. Bon bah nickel, hein, on est parti. Là on a une benne, fait comment, il y a bien 15, 14 tonnes, 15 non, tonnes en plus. Là on est, c'est une 16 tonnes, donc là avec du bon grain bien comme ça, là on est à 18 ouais. Là. Okay, okay. Les cieux suiveurs, bloque-le au pire. Et débloque-le, ouais, parce que nous on le bloque sur la route pour pas le cabaner. Parce qu'admettons, tu mets un coup de volant, tu sais, ça va tourner et c'est comme ça que les gens ils cabanent. Du coup, nous on le débloque que dans les tournants à 90 quand on est plein. Bien. Ça par contre c'est dommage, pile quand il est derrière, alors que nous on doit vraiment y aller hein, parce qu'on est tout seul. Ouais, il y a qu'une benne et en un aller-retour il est plein, donc là c'est sûr il va nous attendre. Se brouiller, j'avoue. Bon, Stervieux est en train de bainer, donc là ça passe tout juste en haut et donc l'idéal c'est de casser un petit peu à la fin, comme ça le haut de la benne on le met au niveau de la pyramide de la stabule. Ok, bon, je viens de finir de vider. Ok. Bon allez, je m'avance un petit peu, Germain il va repousser le tas. Donc on va s'arrêter là. Ok, bon les gars, c'est bon. Germain a fini de remonter le tas. On est reparti direction le champ parce que faut pas chômer. Allez Germain, go! Vas-y, vite! Cours, cours! Les gars, faut faire vite parce que la benne elle va être pleine. Allez, go! Je vous mettrai quelques petits plans au drone parce que là du coup on a dû faire vite avec Germain, il a dû remonter le temps en vitesse et on a dû vite partir. Et du coup les gars, bah, dès que Germain va prendre le relais, je vais faire quelques petits plans au drone et des plans de nuit. Et après je pense les gars on sera pas mal, on aura fait quelques trucs sympas. Je vais pas trop filmer de nuit parce qu'après on va pas voir grand chose avec les caméras. Donc c'est pour ça les gars. Pour aujourd'hui, là, stop, et là, ça sera prêt pour aller souffler la machine. Et là, Germain, du coup, il va remonter le tas. On est en train de live avec Marc. Marc, il vous voit là. Bon, les amis, pour ce soir, c'est terminé. On se retrouvera demain matin. On va souffler la machine, préparer plein de trucs. Donc voilà, rendez-vous demain matin, on a plein de choses à faire. Allez, bonne nuit! Bon, bah les amis, du coup, on se retrouve. On est du coup le lendemain matin avec Germain, toujours, ça va? Ouais, c'est ça, bah là, on reprend. C'est quoi ta voix? Je sais pas, gros. Ouais, bah nickel, là, on prend la benne, on se dépêche, il va être bientôt plein. Ouais, voilà. Donc bah, écoutez, on est parti. Tracteur est déjà démarré, il est déjà prêt à chauffer. On est parti. Bon, je pense qu'il reste quoi, 1,5 hectare, 2 hectares? Ça, ouais, c'est ça. Ça va être vite torché. Bon, lui, du coup, à la benne, il est tranquille, les gars, ce tracteur. Ah, là, avec une 16 tonnes, ouais, ça le fait. C'est 1,5 la campagne, ouais, mais bon, là... comme là, ils n'utilisaient pas la campagne pour ce champ. Ouais, bah, on peut pas baigner sous la stabulation. En vrai, ça va, un niveau. Niveau confort, il est bien. Hein. Ouais, genre, tu sais, quand tu te manges des ornières ou des trucs et tout, franchement, ouais. Ça le fait. Hein. Non, il est cool, puis même, tu freines, il y a le régime, t'as le frein moteur, quand tu tires sur le levier, ça te met pas un gros coup dans la gueule. Et puis les freins, enfin. Ça, moi, je vais, franchement, c'est cool. Voilà, du coup, on va se mettre à côté, on va essayer de vider en roulant. Là, on est ces 2 jours, donc ça sera un petit peu mieux que hier. Ouais, ce qui est bien en dynavété, c'est que t'as, hop, tu te mets en 4-2, 4-3, puis c'est bien.
Bon, on approche de la fin du champ. Je vais aller faire un petit tour de battus quand même. Parce que, les amis, je suis venu ici, il y a une classe. Je vais essayer une classe quand même. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne de moissonner avec une petite classe. Dans tous les cas, je vais chez Marc en plus demain. Donc vous verrez, il y aura aussi une vidéo chez Marc où je testerai sa petite Tucano. Je l'avais déjà testée l'année dernière, mais là on va tester celle-là, elle est un peu plus récente. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Tu rallumes ta four. Donc là, comme ça. Ouais. Et après t'appuies une fois sur. Une fois sur celui-là. Voilà. D'accord. Après la hauteur, je la retouche pas de toute façon. Non, non, la hauteur, t'es bien. Là t'as pas de boucher donc. 3, 4, un peu plus, je peux ou quoi? 4. 4, 4, 2, 4, 3. Ouais, bah écoute, ça change. Hein. Moi, j'aime bien se tester d'autres machines que. Ah ouais. Quand ça déchante toujours homogène, juste tu baisses et puis c'est parti quoi. Bon, après, le levier, faut s'y faire. Hein. Bon, ouais, moi, j'avais encore en tête l'ancien levier classe, tu sais, le. Ouais, l'espèce de tige là. Okay. Ouais, je trouve que ça arrive pas assez haut. Ah, attends, pour lever plus, c'est ça. Allez, tu vas t'appuyer. Ok. Ah, le levier, ouais. Ah, mais en plus, il est dur, hein. Enfin, faut... Ouais, t'as vu. Il faut doser, hein. Ouais, pour ça, avec le cap. Ah, par contre, ça là, ça ici, c'est bizarre. Vous l'avez où? Eh ben, nous, on a. C'est un truc en haut, ça balaye, quoi. Ah, oui, ouais, balaye, ouais. Donc, on a rien au milieu. Mais ça balaye, tu sais, quand même pareil, ça balaye tout. Ouais. Là, c'est des grands essuie-glaces. Ouais. Du coup, t'as ça au milieu. Quand t'es habitué, tu t'en fous, c'est ça. Ah, bah, c'est ça, en fait, c'est que moi, je le vois même plus à la fin. Ouais. T'es habitué, mais. La coupe, en fait, dès que tu appuies pour la baisser, elle se met en automatique. Et ouais, seule ok. Nous aussi, mais du coup, le droit de gauche qu'on a là, c'est pour. Ah, ouais. Ça. Ouais, bah, comme la lection qu'on avait avant. Attends, redis-moi pour remonter là. À droite, voilà. Ouais, je laisse appuyer. Ouais. Voilà. Bon, voilà, les gars, du coup, dans la tête, c'est la machine. Bon, c'est différent hein, de chez Newland, mais bon, chaque machine est différente, de toute façon. Ouais. Ça y est, moisson triticale terminée, enfin, moisson sont terminées à la ferme. On va aller voir Germain qui vide la benne et après ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit café parce qu'on est arrivé ce matin et on a directement commencé. Donc petite pause café normalement et après on est parti. On va aller déchaumer toute la journée. Regardez le tas par rapport à hier parce qu'hier il faisait nuit, on voyait pas grand chose. Je pense qu'il y en a pas mal hein, parce que si le champ il fait 100 quintaux, il y a 17 hectares, il doit y avoir logiquement il doit y avoir 170 tonnes. On va dire que les tours de champ ne font pas autant donc il doit y avoir entre 150 et 170 tonnes dans le silo. Ah, c'est bon, je vais mieux. T'en penses quoi de la Tucano? Enfin, de ce qu'il y a écrit sur la Tucano surtout. Quoi? Quoi? Oh le con! Oh le con! Ah l'enfoiré! Non, elle a pris 10 000 euros là quand même. Allez, il y a Sylvain qui s'en va moissonner du coup, les gars, je suis un voisin. Ici, il y a le T6080 avec la benne de la campagne qui va amener dans le champ. En gros, ils vont aider un voisin et il y a aussi besoin de la benne. Et nous, on va décrocher du coup le 7S. Là, il va remonter le tas parce que du coup, s'il y a la benne qui est décrochée, il ne pourra plus remonter juste après. On va chercher du coup le déchaumeur avec Germain. Vous avez vu, il y a Sylvain qui moissonne là-bas chez un ami, c'est ça? Ouais, bah un voisin, ouais. Un voisin. Donc il nous avait aidé durant l'hiver parce qu'on avait eu un problème de semoir. Du coup, bah là, la moindre des choses, c'est de lui rendre l'appareil. Et puis même, c'est que là, il est un petit peu en retard et tout. Donc ouais. Voilà, ça fait plaisir. Ben, allez, je viens de récupérer du coup le tracteur avec le déchaumeur. On vient de le replier avec Germain. Lui, il a noté des heures et là, en fait, il y a mes distributeurs ici qu'on peut contrôler. Donc, en fait, on a des distributeurs ici, droite-gauche. On a des distributeurs ici, H3, H4 et enfin, deux distributeurs là. Donc, moi, je les ai mis là, je préfère ici. Là, il y a la masse qui est réglée, regardez. Bon, on est bon alors? Ouais, bah, on va à la ferme, on verra ça. Ouais, on va à la ferme, on va tout préparer et après, on sera début d'après-midi pour commencer. Bon, allez. Ça s'est ramené. On devait se retrouver du coup début d'après-midi pour commencer le déchaumage. Mais du coup, il y a des vaches qui sont parties, leurs vaches. Donc on va aller les aider à revenir et après on ira déchaumer. En fait, on a eu des petits soucis. Les vaches se sont évadées. Donc on arrive, enfin, elles sont évadées. Ils ont pété le fil. Donc on devait déchaumer. Mais du coup, on a dû un changement de programme. Et là, il y a Germain qui est là. Il remet les clôtures, mais du coup, il a dévié du câble. Là il est parti. Il est parti se baigner. Non, je te rejoins pas. Ah, t'es malade, gros.
Bon alors les amis, on se retrouve, on est du coup après cette baignée dans le petit lac, c'était pas mal, en vrai, j'avoue. Donc là du coup il est 16h, donc ouais, on démarre pas très en avance, mais il fait encore 40 ouais. degrés, donc on préfère démarrer un peu plus tard. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est que on prend le tracteur, le déchaumeur est attelé, ouais, la masse c'est bon. Donc, 15 minutes de route. On a 15 minutes de route, on va prendre, on va faire des petits plans de drone et tout, et on se retrouve là-bas. Je crois que le champ il fait combien d'hectares? Plus ou moins 20. 20 hectares. Ah, ouais, donc on en a pour un petit moment je pense. Donc bah, écoutez les amis, on est parti, direction le champ. Les amis, c'est bon, j'ai jamais appris un peu le tracteur sur la route. Ouais. Du coup, on déplie tout ça. Et puis, on va faire ça tranquillement. Il y en a un petit peu à faire, mais du coup, t'as déjà fait une petite partie. Bah là, tout le champ est fait, faut juste faire le tour. Et après, on va une autre parcelle, celle que t'avais fait dans la vidéo d'Esmi. Ah oui, d'accord, c'est qu'on a Esmi qui faisait 1 km de long. Ouais, c'est ça. Et bah, ok, on va kiffer ça, ça va être trop bien. Bon, en gros, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer un petit peu comment on fait pour régler tout ça. Donc les distributeurs, du coup, regardez, on a un petit menu ici. Là, il y a les distributeurs. Donc là, en gros, regardez, on a le levier. Donc on a le 1, le 2, ici le H3, H4. Enfin, toutes les commandes ici sont là. Et là, j'aimerais que la valve numéro 4, donc qui sert à déplier, soit sur le bouton numéro 3. Donc là, je fais valve, je clique sur le bouton numéro 3. Je sélectionne valve 4. Bon, c'est déjà sélectionné. Et là, normalement, si je utilise ça, ça se déplie. Pour les roues à l'arrière, c'est le 2 qui est réglé, donc le bouton 2, c'est la valve numéro 4, donc c'est le bouton sur le levier. Et donc normalement, si je fais ça, ça le baisse et ça lève les roues à l'arrière. Du coup, on a fini de manger. Par contre, il tombe quelques gouttes. Ouais, donc, mais là, c'est bon. Regarde, les garde-boue, c'est même plus mouillé. Ouais, mais il y a tombé quelques gouttes. C'est vrai que le fait de changer de tracteur, bah, je croyais que c'était bien réglé, mais en fait, non, il piochait un peu de trop et le tracteur, il a eu du mal. Ouais, en fait, l'avant était. Et en fait, le relevage, il soutenait rien. Bah, ouais, mais puis c'est surtout qu'au début du champ, peut-être sans faire exprès, on a touché au relevage et il s'est baissé. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, il avait un petit peu de mal des fois. Hein. Il descendait à 9. Parce que là, j'ai remonté le relevage et la qualité de travail est exactement la même. Ouais.
amis, on se retrouve, on est le lendemain matin. Ouais, c'est il ça. A flotté hier soir, on est rentré. Un ou deux millimètres. Ouais, on a fini vers 1h30. Ouais, 1h30, c'était. Ouais, bah ouais. Donc, du coup, on a terminé. Vous avez vu les plans de drone qu'on est rentré dans le bâtiment. Donc là, ce matin, on a refait un essai. Il a plu 1 mm, mais ça fume comme jamais dans le champ. Ouais, on a essayé dans le blé, là. Il y avait un champ de blé où, bah, le premier coup, il a pas du tout pioché. Là, en fait, ça marche nickel. Ouais, là, c'est des chemins, ils fonctionnent super bien. Donc, ils rentrent bien. C'est le bonnel. Bah, donc, ouais. Bah, écoutez, les gars, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo vraiment trop stylée. Je pense qu'on aura fait tellement de choses. De la moisson et tout. Là, je pars au bon moment parce qu'il pleut. Donc, au final, on a eu de la chance de quitter. Ouais, bah, heureusement. Ouais. Donc, en gros, une fois, merci beaucoup à toi de m'avoir accepté. Ouais, avec plaisir. Enfin, ouais, merci à Sylvain aussi qui m'a autorisé à venir filmer ici. Merci à Romé qui nous a passé le à Agrifarm. Du coup, les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu. Puis on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire soit que je revienne chez Germain. Ça pourrait être vraiment sympa de faire une petite vidéo. Voilà. Allez, c'est Stervio et Germain. À la prochaine, ciao. Les gars. Allez, ciao tout le monde.